Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite et encore une fois la nouvelle création d'un animal sur Animalia Survival. On va se refaire un lion parce que je l'avais testé rapidement la dernière fois. Et c'est vrai que maintenant que je connais un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu mieux le jeu, peut-être qu'il y a moyen de s'en sortir en lionne. En tous les cas, je veux pas être un mâle, je veux être une lionne. Et je veux essayer de voir un peu si c'est possible de faire des bébés. Comment ça marche, cette histoire? Bon, je veux qu'elle soit fine, hein, comme d'habitude. Donc, petite tête. Je ne sais pas trop ce que ça change, mais petit aussi. Le nez, petit. La bosse, pourquoi pas. Les pattes, fines. Le plus fin possible, en fait. Alors là, je ne saurais pas dire ce que je touche. Là non plus. Et là, elle est très fine. Elle n'a pas des grandes oreilles. Ok, bon, on va prendre cette lionne-là. On va spawn sud-ouest, je crois, je sais jamais. C'est parti, c'est parti. Nala le retour. Nala va s'en sortir cette fois-ci, j'espère. Ne fera pas la connerie d'aller attaquer un lion. Un croco directement. On est un peu loin d'où je pensais spawn. Je voulais spawn vers la montagne. Renifle. Ok, de la bouffe dans le coin. Hein. Ou au pire, on se fout dans un coin au départ et on y va adulte. Hein. Mais Nala le retour, ouais, oui. Ça serait cool de se trouver un groupe de lions. Ça serait plutôt stylé. Après, à voir si on en croise. Si on en croise, j'aimerais bien faire partie d'un groupe. Parce que les lions, bah, en groupe, c'est quand même mieux, quoi. C'est quand même un peu le principe des lions, c'est d'être en groupe. Donc bon. Oula. Ouais. Calmez-vous. Calmez-vous, le jeu. Ok. Calmez-vous le jeu un peu. Au pire, je sais qu'à la montagne là-bas, il y a le grand lac où il y a tout le monde. Après, quand vous avez faim, et quand vous êtes petit comme ça, par exemple, vous avez des IA qui spawnent autour, les petites bestioles à manger, là. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est quand même bien pensé, parce que, bon, quand vous êtes seul, bah, voilà. Il y a quand même de quoi grossir, de quoi manger. Et cette fois-ci, j'essayerai de mettre mes points un peu mieux que la première fois. La première fois, j'ai fait ça un petit peu au pif. On va dire que c'était la découverte. Là, je vais essayer de les mettre au maximum. Je sais pas trop. Attaque, armure. Faut voir quand elle sera full adulte, en fait. Si l'attaque et l'armure, c'est le mieux. Ou attaque, vie. Attaque, armure, ça serait peut-être pas mal, hein. Attaque vie aussi, vous me direz. Mais... Oh, je sais pas trop, en tout cas, on verra bien avec elle. Ils grandissent assez vite sur le serveur. À part quand ils sont adultes, c'est assez long, mais sinon ça va. Donc écoutez, on va essayer de s'en sortir de gros un maximum dans cette vidéo-là et de mettre nos points à peu près correctement, on espère. Niveau stam, elle en a moins quand même que les autres. Hein. Il y a le léopard, par exemple, qui a beaucoup de stam. Léo, notre petit léopard. Le rhino, pas mal aussi. La lionne, un petit peu moins, mais bon. Renif, quand même. Ah, il y a de la bouffe là-bas. C'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant? Ok, il y a quoi là-bas? Juste pour voir... Hein. Trop dangereux, je m'approche pas. Si c'est sous l'eau, je ne sais pas. Alors, les machins verts, c'est censé être du poisson. On peut aller voir. Hein. Mais déjà, sous l'eau, je vois rien. Quoi. Mais je pense que c'est pour les crocos, c'est pas pour nous. Ah, il y a du poisson, ouais. Ah, ouais. Après, est-ce que je peux les choper, moi? Horloge. Je ne sais pas. Je vais me noyer.
Va mourir, hein? Non. Ouais, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Na! Sors de là, Nala! Non, c'est pas une bonne idée de manger du poisson quand vous êtes bébé lion, en tous les cas. Et donc, c'est le poisson, quoi. Elle perd de la vie même quand elle a la tête hors de l'eau, hein. L'oxygène est pété, quoi. Bon, on est encore ensemble, bah, c'est pas grave, on aura essayé un truc. Faut bien essayer, les copains. Bon, il y a des gens par là, mais je suis pas sûre qu'ils vont être sympas. On verra bien. Car moi, j'ai faim, de toute façon, donc. Bah, apparemment, non. Apparemment, non. Oui, bah, j'ai bien compris, vous n'êtes pas gentil. Alors, je peux gros, mais je le fais pas. Je veux tester un truc. Je veux tester, voir si on peut cumuler les points, parce qu'on cumule des points toutes les 40 secondes quand on est juvénile. Oh, par contre, ça fait que de bugger. Elle court, elle arrête de courir. On ne sait pas trop si c'est parce que je dois gros ou pas. En tout cas, elle est fine, hein. J'aime bien. Elle est bien maigre. Bien comme il faut. Je veux voir en fait si je peux cumuler les points de gros tout en étant petite et ensuite avoir les points quand on grandit quand même. Et pour ça, il faut que j'arrive à trouver un coin safe, il faut rester jeune. Mais avec de la bouffe quand même. Elle est fine hein, en vrai. Là, j'aime beaucoup. J'aime mieux que la première que j'avais fait pour le coup. Ok, donc la rivière est là-bas. Bon, là, c'est la grande plaine. On est très voyant ici. Il faudrait que je trouve un coin où me planquer. Et continuer à gagner mes points. J'en ai mis pas mal dans la vie déjà. J'en avais 20. Hop, on va se foutre là. Couche-toi, couche-toi. J'en avais 20. En fait, j'en gagne toutes les 40 secondes en étant juvénile. Est-ce que c'est triché? Je ne sais pas. En tout cas, je les mets dans la vie pour l'instant. Et on verra. Ou alors, on peut vraiment en gagner que 50. Sur 50 stage points. 22, par exemple. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est bien de grandir? Est-ce que c'est moins bien? J'en ai aucune idée. En tout cas, bah, j'essaye encore 5 minutes ça, puis après je vais grossir un coup. Alors que j'aille à l'eau et tout ça, de toute façon. Donc, il va bien falloir qu'elles grandissent quand même, mais je veux voir si ils ont pris ça en compte. Le fait de rester bébé plus longtemps ou pas. Parce que si ça se trouve, c'est pour ça que avec Léo, le petit bébé qu'on avait, il était. Comment? Il était AFK en gros. Peut-être que. Parce qu'il gagnait plus de points en fait en restant juvénile longtemps. Aucune idée. Bon, en tout cas, je suis invisible maintenant. À moins que j'ai une odeur, mais sinon, je suis invisible. Vous voyez, on en gagne toutes les 40 et quelques secondes. Je sais pas. Et quand on est grand, plus on grandit, plus c'est long donc à gagner des points. Donc, je sais pas du tout. J'ai quand même envie de tester le gros. Ah. J'ai envie de tester parce que normalement ça me donne quasi 40 points à chaque fois ou 30 points à chaque fois, je sais plus. Ouais, non, je vais encore attendre quelques temps. Bon, par contre, c'est bien, mais il va falloir que. Faites-moi pas peur, hé! Malade, va. Taré, eux. Il va falloir que je mange et que j'aille boire quand même. C'est bien beau de gagner des points et d'essayer de faire un truc, mais. Faut plus la montagne. Normal. Merde, faut plus la montagne. Oh, je pense là-bas, il y a de l'eau. Enfin, il doit y avoir de l'eau par là-bas. De la bouffe, aucune idée.
Renif, renif. Alors, la bouffe spawn pas tout le temps. Hein. Les petites gazelles ou je sais pas quoi là. Ok, ouais, si, ça va être là-bas le lac. Alors, le lac, c'est pas une très bonne idée dans le sens où il y a beaucoup de monde, mais il y a souvent de la bouffe. Et là, ça commence à être très juste pour notre lion. Mais méga juste. Surtout qu'elle a des ralentissements comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est le fait de ne pas avoir grandi parce que voilà, ce jeu lui refuse. Ah ouais, je veux tenter quoi. Ah, il y a bien moyen de trouver quelque chose. Là-bas, par exemple, mais je sens qu'il y a les crocos et le bordel qu'il y a toujours à ce lac-là. Je vais me faire gober, quoi. Non? On va pas me gober, genre. Après, c'est dans l'eau, ça m'arrange pas, quoi. Personne, genre. Viens là, toi. Viens là, viens là. Meurs pas dans l'eau, meurs pas dans l'eau, hein. Je crois que c'est une brebis ou une gazelle ou je sais pas quoi, là. Allez, meurs. Je vois rien. Voilà, t'es en mouche. Par contre, il faut que je m'en éloigne pour revenir. Ça va être un peu chiant. Qu'elle soit mangeable, quoi. Genre que j'entendrai plus les mouches. Je m'éloigne. Voilà. C'est pas moi. Et je renifle. Elle est où? Oui, bah écoutez, hein, je suis en train de mourir de faim. Ah, elle veut pas la manger. Elle veut pas la manger, on va s'éloigner. De toute façon, pour l'instant, on a midlife. Des fois, c'est un petit peu chiant quand même. Et re... Ce bug-là. Bon. Comment dire? Bah, je suis morte de faim. Hein. De toute façon, elle n'arrivait pas à manger ni rien. Je suis en train de la reprog. Je suis toujours du coup près du lac. J'attends qu'il y ait un machin qui spawn. Une biche ou quelque chose. On va réessayer, retenter de remanger ça. J'ose pas trop aller au lac parce qu'il y avait du monde pendant que j'étais en train d'essayer de manger le truc. Donc me foutre par là serait pas mal. Bah, s'il y a une biche, je vais la voir. Hein. C'est pas des biches, oui, c'est des gazelles, mais c'est pareil. Biche, gazelle. C'est la même chose. Hein. Ça a des cornes et des pattes. Je pense que si je me fous par là, en vrai, je suis voyante, ok. Il y a moyen que la biche arrive. Hein. Il y a moyen, il y a moyen. Et je fais toujours la même technique. Je vais essayer de ne pas gros directement, mais ça va pas être évident, quoi. Ça va pas être évident, Nala, 2.0.
Mais par contre, je me mets point au fur et à mesure. Hein. Ça évite de perdre trop de vie d'un coup, en fait, par rapport à ce que je gagne. Là, vous voyez, je peux gros, mais je le ferai pas. Je le ferai pas. Je sais pas si on peut gruger le jeu comme ça, j'en ai aucune idée. Après, ça vous fait. En vrai, c'est pas vraiment gruger le jeu. Ça, vous restez bébé plus longtemps, donc vous êtes plus. Enfin, vous êtes plus vulnérable plus longtemps. Mais si ça marche, à voir, quoi. J'en sais rien. Bon, par contre, ça serait bien que ça spawn quand même. Il n'y a rien qui spawn là. Toujours bébé, hein. J'ai pas voulu grandir encore. Mais les petites biches, mon œil, ouais. Mon œil, est-ce qu'il y a quelque chose à bouffer, quelque chose dans le coin? Oui, ben ça, de l'eau, je sais bien. De l'eau, je sais bien. Ah, j'ai pas tellement envie d'aller au gros lac, quoi. C'est pour me faire bouffer direct. Peut-être dans les hautes herbes, comme ça spawn. Je sais pas. Attendre encore un tout petit peu, mais après, va falloir que je trouve à manger, quoi. Oh purée, ça spawn. Lève-toi, Nala. Je sais pas où t'es. Papa. T'es où? J'ai entendu. Ta biche. Non? J'ai entendu, hein. Là-bas. Il faut pas que tu sois cassé. Elle meurt. Il suffit. Elle meurt. J'ai déjà du mal à tuer une biche. Bah quand même, elle meurt. Ça me rappelle, ce cri-là me rappelle celui qu'embêtait Dumbo, là. Ah, quand même! Il pleut, mais c'est pas ça qui va t'aider, si. Après, le problème, c'est que je sais que je pourrais pas la manger, quoi. Peu importe en fait. Bah, je me fous pas trop quand même, mais. Le mec, elle meurt. Ah, mais meurt pas dans une zone improbable. Hein. Voilà, t'es full bleed. Ok, t'es en mouche. Tu t'en vas, tu te promènes. Quand t'auras arrêté de bouger, on essayera. Ok. Ça la mange? Je sais pas. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je vais quand même pas recrever de faim parce que tu veux pas manger une biche, quoi. Il y en a une autre. Après, peut-être si j'en tue une autre, celle-là sera prise en compte. Elle est où l'autre? Attendez, je vais mettre mes points par contre. Je dois en avoir un peu. Voilà, avant de trop perdre de vie. Je l'ai entendu, mais je sais pas où elle est. L'autre. Aucune idée.
pars un peu de la zone pour exprès. Hein. Une fois, ça avait marché, ça. T'es parti de la zone, j'étais revenu et j'avais pu manger mon truc, mais. C'est pas le fait que je sois juvénile ou quoi que ce soit, hein, au cas où. Et l'autre qui a gueulé, je sais pas où il était, par contre. Bon, on entend les mouches. Oh putain, ça marche. Sauvé. Sauvé Nala. Pour l'instant. Oh cool. Cool, mais ça aurait été galère. Hein. Peut-être vraiment être droit devant comme ça, bien, je sais pas. Oh. Bon, bah écoutez, on aura perdu une Nala, une. C'est bien une femelle, hein. Je me suis pas gouré en respawn, non, c'est bon. Bah, toujours en PV. Pour l'instant. Pour l'instant, on va rester par là. Ou j'en sais rien, par contre, parce que je veux pas trop me faire voir, mais pas évident, quoi. Là. Couche. Franchement, moi, je pense que c'est ça, les amis. Pardon. Je pense que c'est en fait tous les points qu'on peut gagner par chaque level, plus les points qu'on va gagner entre chaque level. Enfin, j'espère. Je vais essayer d'atteindre les 2000 de vie. Et puis après, on arrêtera. On n'ira pas jusqu'aux 50 parce que c'est long. Mais juste pour voir quand même, parce que je suis quand même curieuse de savoir si ça marche comme ça ou pas. Ça serait cool dans le sens où c'est vous qui décidez combien de temps vous êtes juvie ou pas, est-ce que vous voulez gagner ou pas. Mais ça pourrait être cool, ouais. Lève-toi un peu, Nala, tu vas aller boire un coup quand même. Hein. Quand même, tu étais toute sale, ça va te laver la tête. Ma gazelle a disparu, hein, au cas où. Je sais plus où était la flotte, par là-bas, je crois. Ma gazelle a disparu, c'est normal, dans le sens où elle despawn au bout d'un moment. Bon, ça c'est tout à fait logique. Il y en aura une autre qui va spawn à un moment donné. Mais je pense que c'est ça. Hein. Ça serait stylé, ça serait ça, parce que ça vous force à rester juvie longtemps. Ça vous force à rester dans l'âge longtemps, le temps de prendre toutes les forces nécessaires, en fait. Enfin, j'espère que c'est ça. Non, on nage pas. Il nage très bien, on est content, mais il pleut déjà. Donc, de toute façon, je viens de voir un alligator. Bonsoir. Purée, lui, il est descendu de là, on sait pas comment. Il m'a fait peur quand même. On va faire ça quand même. Je l'ai pas vu arriver, le gars. De boire hein, parce que je le sens vraiment pas. Il peut avoir un pote à tout moment qui descend aussi. Ah, puis elle sait plus boire. Ok, elle est cassée. Je crois que l'alligator l'a cassé. Va attendre là. Je m'en fous. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas si soif que ça. Enfin, si, quand même, mais bon. Si, quand même, mais s'ils descendent des rivières, ça me fait un peu peur. Bon. J'ai pas envie de perdre maintenant, hein. Je suis en train de faire une expérience, monsieur. Je sais pas si vous l'avez faite vous aussi. Ah bah il y a de l'eau ici au pire. Bah, ça se trouve, il y a son cousin, mais ça se trouve non. Purée, on les voit pas arriver, quoi. Ah, là, tu sais boire, là, t'as moins peur, là. Et pourtant, c'est pas plus safe, hein. Je t'assure, Nala. Hein. Pour l'instant, je suis une lionne un peu solitaire, un petit peu maigre, ça j'aime bien.
Non, franchement, elle est stylée, elle est lancée. J'aime beaucoup la carrure que je lui ai faite. Bon, c'est bon, t'as plus soif. N'exagérons rien. Oui, je grimpe. J'ai fait un alligator, moi je préfère. Un croco, pardon, je préfère grimper. Hein. Pourquoi, je sais pas, mais je me dis que c'est pas plus mal. Déjà d'une, parce qu'on n'est jamais monté là, donc on ne sait pas ce qu'il y a. Ça serait bien de le savoir et de le découvrir ensemble. En même temps, on prend nos points. En même temps, peut-être qu'il n'y a personne, et ça, c'est bien. En même temps, c'est peut-être fin de map aussi, et il y aura peut-être plein de monde. Quoi faire, on ne sait pas trop, mais. Mets-toi dans ce trou. Il neige ici. Ah. Je sais pas ce que ça change niveau confort ni rien, mais. Ça a l'air un peu déprimé quand même, hein. T'inquiète pas, tu vas grandir. Oh, 2020, allez, c'est bon. Je vais grandir, c'est bon. Allez, hop. Nala, adulte. Enfin, jeune, très jeune adulte. Un peu boursouflé, un peu balafré, mais. Alors, du coup, 13 points. Ouais, donc ça les décompte. Donc ça vous sert à rien de faire ce que je viens de faire. Mais au moins, vous êtes au courant. Parce que normalement, si vous mettez que 5 points, vous en avez 45, etc., etc. Ok, bon, bah ça m'arrange pas plus que ça. Après, ça m'a mis de la vie quand même. Mais je veux être costaud, quoi, niveau vie. Et ensuite, attaque. Bon, bah, c'était pas l'idée du siècle. On aura tenté. Maintenant, il faudra manger, ce serait pas mal. On va redescendre. Ça va. Ça va, ça va, ça va. On va redescendre, hein, parce que bon. Quand même. Pas sûr qu'il y ait des gazelles qui spawnent ici. Du coup, elle est un petit peu moins fine, mais bon. Enfin, je trouve qu'elle a une grosse tête par rapport au corps. Pourtant, je l'ai fait la plus fine possible, hein, même la tête. On va essayer de se retrouver une gazelle, histoire de se mettre bien niveau bouffe. Et donc ouais, bon bah l'expérience aura prouvé que ça ne sert à rien d'attendre. Ce qui est dommage hein, d'ailleurs, je trouvais l'idée pas mal. Si jamais ils y pensent un jour, je trouvais l'idée pas mal, ça nous force à rester. Ou alors, bon bah ralentir le gros dans ces cas-là. Pour que ce soit plus compliqué plus longtemps, parce qu'on grandit assez vite quand même. Hein. On grandit assez vite, c'est assez facile à grandir, je trouve. À part quand vous crevez de faim, bien sûr, mais sinon c'est assez facile à. Oui, bah t'es caché entre deux trucs. Toi? Accouche-toi vraiment? Lève-toi, on va te coucher là. On va ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a un truc à bouffer? Ok, heureux. Bon. Hop. La mouche. Allez, sois gentille, Nala. Mais arrête de faire des tourniquets autour, va dessus. Tu vas mourir de faim encore. C'est ça que tu veux? Elle veut pas la manger, hein. Elle la refuse, hein. C'est bon. Purée, qu'est-ce que c'est galère à bouffer ces trucs-là. Vas-y, vas-y. Vas-y. Une fois que t'es full bouffe, je remonte dans la colline et c'est bon. Hein. Ça suffit les conneries, hein, Nala. Tu vas finir par crever. Hein. Non, mais moi je dis ça comme ça. Hein. C'est bon, allez. Non, j'aimerais bien la garder jusqu'à full adulte, essayer de voir un peu la puissance du lion une fois full adulte et une fois bien monté en level. Ça serait bien que tu te dépêches. Un croco peut surgir n'importe où. Merci. Bon, allez, attends. En plus, ce qui est cool, c'est que ma carcasse a des spawns. C'est bien dans le sens où. Voilà, au moins, ça attire personne par là. Ah, c'était un peu galère là pour le coup, hein.
sais pas où je vais, mais j'y vais. Je suis un peu déterminée à y aller. Ça aussi, c'est chiant. Elle court, elle s'arrête de courir. Elle court, elle s'arrête de courir. C'est un petit peu chiant aussi, mais bon. Oh, pas du tout où je vais. Il y a de la neige, ça doit être par là, la montagne. Bon, je grimpe, hein, c'est histoire d'être un peu loin de tout le monde quand je vais spawn. En espérant qu'il n'y ait personne ici. Ouais, genre derrière le rocher là. Ah, la neige se met sur. Ça, c'est stylé par contre. Elle est pleine de neige du coup. Ok. Bon, fais voir. T'as 3 points à mettre. On va continuer à mettre dans la vie. Attendez. Il y a des saisons? Il y a de la neige partout? C'est normal ça? Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté et avoir certains avantages, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne, c'est de 0,99 € par mois à 14 €, c'est les prix les moins chers, j'ai mis les prix les moins chers pour que tout le monde puisse participer. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que la chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de liker, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tous les commentaires. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao!